Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et désolé pour cet épisode 10 fort attendu. J'ai eu des très bonnes nouvelles et j'ai quelques projets en cours dans ma vie et vous en saurez un petit peu plus très bientôt parce que ça vous concerne aussi évidemment. Bref, on est parti pour notre épisode 10 sur Ratchet & Clank Rift Apart évidemment. Comme d'habitude, un j'aime, un pouce bleu, tu connais, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On avait trouvé notre cuisinière et installez-vous confortablement, profitez de la 4K aussi, si possible, un casque ou des écouteurs. Non ! Un casque ou des écouteurs, évidemment. Je viens de trouver... C'est terrible ce qui vient de se passer. C'est terrible, ça va m'emmener où cette petite connerie-là ? Ça, je refuse. Hein. Ça, je refuse. Je viens de trouver la cuisinière. C'est pas pour... voilà, hein. Tu me remets pile poil devant parce que je vais m'énerver. Bref, bienvenue à tous. Incroyable. Il y a des nouvelles et des bons projets en cours. Vous allez bientôt en savoir un petit peu plus parce que, très honnêtement, il y a de grandes chances là, que vous kiffiez tout simplement qui va se passer. Vous en saurez plus dans les mois qui viennent, évidemment. On est parti. On va tourner cela parce que sinon, je vais me faire engueuler, évidemment. Petit coup de stick qui fait plaisir, voilà. Ah oui, il faut la protéger, bordel de merde. Excusez-moi. Ok. Un sniper. Mon piège. Très bien. Extraordinaire. Ah, il est pas ouf le piège, hein. C'est pas le meilleur piège qu'on ait vu. Oh, ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet. J'ai été mauvaise langue. Vite, activez le piège à droite. Encore. Avant qu'il n'endommage la speed 2000 et qu'il déprime ma mule. Eh ben voilà, ça c'est fait. Alors, attendez, on va en profiter, on va quand même s'amuser. Qu'est-ce qu'on a amélioré? Ça c'est fait, ça c'est fait. On a le collisionneur, on a le ricochet, on a le paratonnerre. Un classique le paratonnerre, regardez. Ça fait toujours son petit effet en soirée, ça mon pote, bah oui. Allez, ça dégage. Ensuite. Et voilà ce qui ouvrira le menu, ou comme on dit dans le monde de la cuisine, la mise en bouche. À présent, préparez-vous pour le plat principal. Ok, donc ça veut dire que c'est là que ça va bouillir. Attention, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Ça c'est fait. C'est des petits crabes juste ici. Oh putain. Ok, ça c'est fait. Petit crabe par ici aussi. On va garder un œil un petit peu sur tout ce qui se passe là, hein, sur la gauche et la droite. Évidemment, vous l'aurez compris. Hop, ça on active aussi. Et ça, on active aussi. Bon, on est plutôt pas mal. Écoutez, on a activé quelques pièges sur notre gauche. Merveilleux. Il n'y a pas plus difficile là. Il est en train de germer quelque part une fricassée glacée au miel de poisson globe. Quelle boisson associée à un tel plat? Il m'en faut plus d'inspiration et plus de miel. Allez, pense à tous ces mineurs affamés, Rivette. Il faut les... Là, on a un problème. Parce que là, je suppose que ça... Si, ça peut marcher encore. Hop, on active ici. Ça, c'est aucun souci, évidemment. Ok, on va activer là. Hop. Boum. Non. Non, j'ai dit boum. Ah putain, c'est en train de se reload. Aïe! Putain, ça sent 3 par 3! Ok, ça c'est fait. Et j'ai eu beaucoup plus dur que ça dans l'arène, hein, donc attention. Hein. Oui, oui, la boisson sera de l'hydromel surpifié au matin. Oh, regardez-moi tout ce boulot. Oh là là! Mais attention. Ces mineurs ont bien mérité un dessert aussi. Ce qui signifie qu'il va falloir souffrir une dernière fois que l'extraction finale commence. Ok. Très bon, ça, on active. Ça, c'est fait. Il y a moyen que j'en prenne plein la gueule. Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait aussi. Très bien, ça. Ça, on prend. On n'active pas encore parce qu'on ne peut pas. Oh, putain. Vous m'attendez pas à ça. La vache. What? Allez, ça dégage. Ok. Ça, c'est fait. Je m'attendais clairement pas à ça. Ok, on a chaud. Et ça, on active. Allez, let's go. Mais bon. Quelqu'un d'autre veut la bagarre? Vous voulez la bagarre, messieurs, dames? J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram. Je fais ma petite pub, MRBboy45Y. C'est évidemment beaucoup de messages de gens qui disent « Putain, B-Boy, à cause de toi, bah, j'ai acheté Ratchet & Clank. » Et ben, je vous souhaite une bonne expérience. C'est un jeu indispensable, vraiment, pour cette next-gen. On a très peu de jeux, donc profitez, bordel, de vrais jeux next-gen. L'imagination est enfin sortie de sa torpeur. Les variations culinaires autour du miel seront divines. Quelle souffrance! Vous n'avez rien fait! Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela nous inspirera dans votre propre domaine artistique. Je suis contente que les mineurs puissent okay. enfin se remplir l'estomac. Bon, comment je fais pour les rejoindre? Ah, alors, ce Security Taxi devrait faire l'affaire. C'est donc ça, un Security Taxi, évidemment, parce que nous sommes en sécurité, n'est-ce pas? Nous avons la cuisinière par là. Je pense, vous savez quoi? Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je vais vous trouver un peu de raritarium. Voilà, toi. Je demandais qui cuisinait le mieux, toi ou Ratchet? Oh, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est toi, pas vrai? J'en étais sûr. Je vous l'avais dit, je vous avais dit que je trouverais un peu de raritarium. Là, je pense qu'il n'y a rien, sinon on l'aurait déjà pris depuis le temps. C'est vrai que le 60 FPS fait énormément la différence, tout en gardant un petit côté RTX. Et vraiment, ça fait que ça rend le truc très, 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 très propre. On profite du RTX et on profite en plus du 60 FPS. Donc, il y a quand même la diff. Le 30 FPS, c'est bon, mais je pense plus sur des jeux contemplatifs. À voir, mais c'est vrai que quand on goûte aux 60 FPS, c'est très très dur de s'en passer, évidemment, ça je ne sais pas c'est quoi, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, j'ai eu très très chaud, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, que se passe-t-il? Terrible. Ok, bon, j'ai eu chaud, par contre les potes, j'ai ameuté le taxi là-haut, alors? Alors? Est-ce qu'on n'est pas dans la merde ici? Oh putain, dis donc, je savais même pas que c'était cassable, incroyable. Il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas fait, on n'est pas allé là-haut, on a juste été récupérer une cuisinière, n'est-ce pas? Donc, il y a sûrement des choses à faire et on n'a pas visité en mode planète démontée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va devoir aller visiter ça. Est-ce que par hasard... Putain, ça fait des grands yeux, hein. On dirait E.T., mon frérot. Est-ce que par hasard... La vendeuse n'aurait pas quelque chose de nouveau, ça fait très cool aussi. Eh bien non. Eh, 27, hein. Oh là là, passe pas comme ça devant, tu m'en fais flipper. 27, l'éradicateur, c'est au max. Eh ben en vrai, on va tâter du... on va tâter du ricochet. Parce que c'est toujours sympa de faire des ricochets. Allez, let's go. Let's go, let's go. De toute façon, il faut le faire. Augmente la quantité maximum, évidemment. Prolonge le délai, inflige des dégâts bonus. Fait des rebonds ricochets en plus. Il y a moyen que ça devienne très très sale. Chaque rebond soutire des boulons supplémentaires. Ça, il y a moyen que ça devienne très 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 strong. Les ricochets, c'est pour ça que je les améliore depuis le début. Je crois que nous approchons du poste de contrôle. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Non, non, mais je suis pas. Rivette parle un peu mieux à Clank, là. C'est le frère, c'est le sang de la veine. La veine du chibre, on est où, là? Oh, les gars! Un peu de respect. Alors, attendez. Merci. Attendez, ça, c'est pour aller chercher le grand chef. Après, ça sera sûrement une autre planète. Est-ce que, par hasard... Eh, il y avait quelque chose là-haut, on y va.
On y va, on va fouiller un petit peu, sinon je vais me faire engueuler par vous. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps, vraiment, je suis vraiment désolé de mettre autant de temps entre chaque épisode. Bon, c'est 2 jours, c'est pas non plus horrible, mais je peux comprendre que ça soit un petit peu frustrant. Mais vous inquiétez pas, vous comprendrez que ça valait le coup, tout simplement. Eh, c'est pas magnifique. Franchement, c'est pas magnifique. Incroyable. Incroyable, toujours autant stupéfié. Stupéfait, pardon. De la 4K, stupéfié aussi, d'ailleurs. J'invente des mots, si j'en ai rien à foutre, personne ne va rien dire. Ici, c'est chez moi, d'accord. D'ailleurs, en commentaire, inventez des mots. On n'a plus rien à foutre au point où on en est. Dites à quel point vous aimez cette vidéo dans une langue fort inconnue, n'est-ce pas. Ok, allez, salut, je prends le sécurotaxi. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. C'est pas tout joli. Mortellement, effroyablement joli. Okay. Ouh, Raritarium, je le vois d'ici, je le vois de là-haut. Hop, ça c'est fait. L'ingénieur en chef. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. D'abord les séismes, le blison, et maintenant ça. J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors? Il faut que j'aille les récupérer. Quand il n'y aura plus de danger. Okay. Pourquoi attendre? Je vais trouver les robots et les ramener ici, 5. Ces robots ont intercepté un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. On y va. Alors, avant d'y aller, quelque chose me turlupine. Et cette chose s'appelle le Raritarium. Ok, ça ne sert à rien, ça part désolé, ça sert. Ratchet et toi, soyez séparés. Ah, j'aurais dû prévoir que tout cela finirait mal. Le dimensionnateur est trop puissant pour être exposé aux yeux du monde. Ok. Donc le Raritarium est juste ici, vous l'aurez compris. J'ai eu chaud. Ok, fin de gravité, puisque vous doutez bien que la planète a son noyau. Donc, par conséquent, la gravité... Oh non, je suis un connard. C'est bon, je suis pas qu'un connard. C'est bon, j'ai rattrapé, on retire ce que j'ai dit, évidemment. Allez, nouvelle tenue supplémentaire, et cette fois-ci des bottes, et une tenue bientôt force quark au complet. Alors, par où on peut partir? Eh bien, par là, tout simplement. C'était une énigme pas très compliquée, pour le coup. Donc, jusqu'ici, on s'en est bien tiré. Un petit morceau de tenue comme ça. Ça fait plaisir, un peu de Raritarium, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Des caisses, ça on prend... Et là, peut-être, est-ce qu'on peut utiliser l'ordinateur central? Ah, bien sûr que non. Hop, ça, on prend ses démunes. Hein. Alors, il est temps de prendre un peu de quoi faire quelques ricochets. Oh, mais test radio, test. Les robots ont dû suivre les chemins balisés. Je suis sûr qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Les secousses sont de plus en plus fortes et fréquentes. Prudence, évitez de trébucher, de glisser ou de casser quoi que ce soit. C'était trop demandé de trouver du quartz phasique sans devoir survivre à des séismes et à de la lave. Je suis un boubours. Hop. Ok. Incroyable les effets de lumière. Je suis subjugué, mais vraiment quand je joue au jeu, je suis tellement en admiration. C'est dingue. C'est tellement stylé que j'en oublie vraiment d'animer, en fait. À chaque vidéo, vous savez que quand je passe sur la tablature, enfin la table de mixage, en gros, pour éditer une vidéo propre, n'est-ce pas, à chaque fois, je m'écoute et je suis en mode, putain, mais des fois, j'en oublie de parler, en fait, vraiment.
Je suis tellement captivé par le décor et tout que j'en oublie littéralement de parler et c'est terrible. Donc je m'en excuse d'avance. Mais moi je suis tout comme vous en fait, je suis spectateur. Salutations, nous courons un très grave danger. Et je me fais suivez-moi, des coups. Vite. Ok. Dépêchez-vous, l'odeur du poil brûlé est horrible. Ah, le robot n'est plus là. Ah, attendez. Le robot n'est plus là dans cette dimension. Des choses à faire ici. Non, il y a rien, on est d'accord hein. OK. Enfin, une bonne connexion. Je dois vous prévenir au sujet. Très dangereuse. En même temps, tout est dangereux sur cette planète. Voilà, ça se fait victime très vite. Bah dites donc. Encore vivant, madame. Ça dégage. Comme je disais, ça se fait victime très vite. On a... Attendez, bougez pas, parce que là, j'ai plus de balles. C'était bien le paratonnerre qu'il fallait améliorer. Mais quelle tristesse qui m'est arrivée. Je suis aussi chaud. Si seulement je pouvais transpirer, je dois fuir. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je vois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Il y a un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se rendre en premier. Oh, mais maté comme c'est stylé du Raritarium. Ça. Ah ouais, mais ça je veux, mais comment je reviens après les refs? On prendra plus tard. Parce que ça je veux. Hop, ça c'est mordant d'atroce souffrance, un Raritarium là-bas bien sûr qu'on prend. Ouh, 4 Raritarium, 5 Raritarium, ça n'arrive plus. Ça c'est fait. Niveau 3, il y a combien de niveaux max? C'est 5 hein. Je crois que c'est 5. Je crois que c'est 5. Vu comment j'en avais chié. Franchement, ça m'arrangerait. Ok. Je crois que c'est 5 le niveau max. C'était moi une. Attendez, mais c'est terrible là, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ici on a une sorte de champ de force. J'ai réellement envie de descendre chercher le Raritarium. Ok. Oh, il n'y a pas une baisse de FPS, c'est incroyable, ça fait tellement kiffer. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, on n'a rien non là, plus. Là, derrière la vitre. Très bien. Derrière quelle vitre Ah, elle parle sûrement de cette vitre-là. Ok, bah on va faire tout le tour alors, hein. On n'a pas le choix. Hein. Nous sommes des esclaves de nous-mêmes. Très bien. Nous voici dans l'outre-monde. Ah, bien. Peut-être qu'elle fait référence au protocole de sécurité. Bien. Êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Non. Tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié? Refusé. Bruit de tristesse. Retour à l'ingénieur en chef. Oh. Ok, ça on récupère. Et ça on récupère. Mais what the fuck? C'est ça? Oh non, je l'ai paniqué. Oh, que se passe-t-il? Ok. Alors, j'ai pas compris. Là, on a un robot. J'ai vraiment pas compris. Et là, on n'a plus rien. Très bien. Et le level design, c'est quand même tellement bien pensé. Ah, on avait besoin du robot. Non, attendez, il y a Anguille sous roche.
y a Anguille sous roche. J'aime pas trop ça. Là, c'est fermé. Ok. Là, y a rien. Alors là, les potes, c'est quand même incroyable. Faut juste revenir. Faut juste revenir. Ok. J'ai pas dû saisir ce qui vient de se passer. Je sais qu'on a largué le petit robot. Alors là, c'est incroyable. Je bug total. Je sais qu'on... On a libéré un petit robot, mais je comprends pas en fait son utilité immédiate. Je pense qu'il fallait juste l'aider, c'était ça? Eh, d'accord, ok, c'était ça. Oh la vache, comment il se fait. Oh là là, ça se fait découper la gueule. Oh, quand ça se fait démonter comme ça. Zéro. Et les autres. Je compte même plus. Ah, d'accord, ok, ça a retiré le champ fort. Bon, bah voilà. Est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'empereur Nefarious? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. Ok, 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 let's go. Les plateformes de forage, ou du moins ce qu'il en reste. Je suis prête à parier qu'il y a des failles dans le coin. Vous trouverez forcément les robots. Les bruits quand ils se font exécuter. Ils sont cons, putain. Ok. Alors, oh là là, quel bordel. Le robot est bien sur la plateforme, là, à droite, juste après le pont des trucs. Comment pouvons-nous le rejoindre? Donc si le robot est sur la plateforme à droite, je suppose que ça, il faut... La grue a déplacé le cristal. Voilà qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot. Très bien. Je suppose que ça doit pas être trop chiant non plus, parce que si c'est trop chiant, c'est un peu un enfer. On a du raritarium là-haut, on va aller le récupérer évidemment, bien sûr. Vous savez qu'ici, on ne laisse aucun raritarium en liberté. Très important. Ok. Qu'est-ce qu'on fout là? On est con. Un jeu, je suppose. Y a rien. Je m'attendais à une meilleure surprise. Je m'attendais à pas à grand-chose, mais bon, je suis quand même déçu. Oh, ah, let's go! Allez. Trois raritariums, c'est fait. Et hop, petit raccourci, je connais bien, ça dégage. Bon, y a rien à faire là-haut. On va activer ici, ensuite il faut aller... Ça, c'est impressionnant, hein. ça me fait vraiment kiffer. Hein. C'est juste du génie, en fait. Ok. Accent charmant. Youhou! J'ai un message important à transmettre à l'ingénieur en chef. Oh, Sam, toujours à se chercher une personnalité. Merci. On aura bientôt reconstitué tout le message. Et le compte est bon. Merci. Vous n'avez qu'à me rejoindre au poste de contrôle. On va voir ce que mes petits robots ont réussi okay. à rapporter. Allez, c'est parti, direction le poste, le contrôle. On voit pas le marteau comme ça, il va te retomber sur la gueule. Alerte de proximité. Pardon ? Forme de vie dangereuse détectée. Procédure de verrouillage du site activée. Pardon ? Pas de panique. C'est moi qui ai conçu ce système de sécurité. Sauf que les détecteurs de mouvement indiquent que les intrus sont dans la maison. Ah ! Dans Allez, la c'est pièce. Parti. Ok. Oh, ça m'a fait trop bizarre. Oh là là.
ça m'a fait trop chelou aux yeux pendant un moment. Enfin, sur la perspective. Je sais pas vous. Elle m'a dit de lever les yeux, tu lèves, mais le mec il se trouve en bas parce que c'est le sol que t'as. Non, c'est terrible. Beaucoup trop fort lui. Non. Fake alert, vraiment claqué. Hop, beaucoup trop fort. Quoi? Attendez, j'ai fait le malin, je crois que je vais mourir. Je crois que je vais mourir. Oh non. Oh là 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 là. Peut-être pas le meilleur truc de faire des ricochets. Oh là là, je dois faire toutes les gâchettes en même temps, c'est terrible. Oh non. Oh, je suis mort ou pas? Let's go. Let's go. Let's go, je suis un monstre. Forme de vie indigène éloignée. Mur de protection désactivé. Merci. Et passez une flamboyante journée sur Blizzard. On a encore eu très chaud pour ce boss. Plus de temps pour déchiffrer le message. Mais vous pouvez quand même vous servir de la foreuse. Jin vous y conduira. Ok, allez, on est parti. Suis Jim. J-I-M, évidemment. On va essayer de se servir de la foreuse. Eh, des soins, les gars. Non, s'il vous plaît, pensez à moi. Je suis en vidéo, les potes. Faites-moi plaisir. On est déjà venu ici, non? Jim vous y conduira. Je suis un connard, je crois. Je suis parti sans Jim. Attendez. Mon Jim, viens par ici. Où est Jim? Jim? Ben ouais, mais c'est moi, je suis trop con, putain. Il est là, le frérot Jim. Allez. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? D'accord. Oui, de bonne heure. En gage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz. Ok, on va reprendre le paratonnerre. Je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool. Ça veut dire que tu peux t'en charger? Pour ma qualité de meilleur ami, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu affecter la foreuse. Comment ça? Pour ma qualité de meilleur ami, je ne souhaite pas vous alarmer. Aussi, je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Que diriez-vous d'aller au karaoké ensuite? Eh bien, on va s'arrêter là, alors. On va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que ça va swinguer, on va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau en boutique, rien. Et on va améliorer par contre le paratonnerre, parce que mine de rien, on lui a offert beaucoup d'XP. Donc augmente la durée de l'étourdissement, très bien, augmente la cadence de tir, très bien aussi. Augmente le quantité maximum de munitions, on a fait un tour complet. On a donc débloqué, augmente la portée des tirs. On continue d'augmenter ceci, parce que vraiment... Je pense que le paratonnerre, ça va devenir une des armes, ouais, une des armes les plus utilisées dans le quartier. Augmente le nombre maximal d'ennemis pouvant être électrocutés. C'est incroyable. Oh là 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 là, un régal! Un régal! Le paratonnerre, c'est fait. On est plutôt pas mal. Le ricochet aussi. Le collisionneur, c'est quoi ça déjà? Ah, c'est le gigantesque rayon. Augmente la durée d'un rayon entièrement chargé. Bah ouais, mais ça, on prend ça. On prend mon neveu, pourquoi? Parce que les rayons pulvérisent les projectiles ennemis aussi, évidemment. Non. Et ça c'est quoi? Augmente la quantité de munitions récupérées par les caisses. Allez, on prend. On prend comme ça, ça sera presque au max. Et un régal. Bah voilà, on va s'arrêter là les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt. Cette fois-ci, ça va aller venir un petit peu plus vite pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et vous avez vu comment Rinette, elle a regardé un passant?
Incroyable, tellement stylé. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.